Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike, et aujourd'hui nous allons parler du DLC 3 de Call of Duty Black Ops 4 en zombie. Parce qu'il faut que vous sachiez que grâce à Codename Pizza, la date a été dévoilée par Treyarch Studio lui-même. Donc là je vous mets un screen à l'écran où tout simplement Codename Pizza demande et cette équipe. Et après il y a Treyarch Studio qui dit: le prochain chapitre de l'histoire de l'Ether vient dans notre prochaine opération en juillet. On y est presque, trois petits points. Donc vous l'aurez compris, le mois prochain nous aurons le DLC 3 de Black Ops 4 Zombie. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, les deux prochains DLC, donc le DLC 3 et le DLC 4, seront avec les personnages de la chronologie de l'Ether. Donc avec Richtofen, Demze, Takeo et Nikolai. Et apparemment, ça annoncerait la fin de l'histoire de l'Ether. Après, comme vous le savez, ils nous l'ont dit plusieurs fois cette petite feinte. Et donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Est-ce que c'est vraiment la fin ou est-ce qu'il y aura encore une autre saison? Franchement, je ne sais pas. Mais je suis impatient de pouvoir tester ce nouveau DLC 3 et ce DLC 4. Je suis impatient. Même si la chronologie du chaos, je la kiffe aussi. J'adore la chronologie de l'Ether, même si l'histoire est tellement compliquée que j'y comprends que dalle. Mais en tous les cas, j'aime bien ces personnages-là et franchement, c'est des personnages cultes. Alors j'ai une autre information, mais ça, il faut le prendre avec des pincettes, les potos. C'est tout simplement qu'apparemment, le prochain DLC 3 et le prochain DLC 4 seront sur des maps déjà connu. Donc une hypothèse dit que le prochain DLC sera sur Nuketown. Mais attention, ce ne sera pas un Nuketown remake ou remasterisé. Ce sera carrément un Nuketown retravaillé de A à Z qui ne ressemblera même pas au gameplay que je suis en train de vous afficher. Même pas au trailer que je suis en train de vous afficher. Rien à voir. Apparemment, ce sera un Nuketown complètement retravaillé et le DLC 4 qui sera sur une map aussi remake, donc une map qui a déjà été utilisée, sera aussi une map retravaillée qui ne ressemblera à rien aux anciennes maps. Alors est-ce que cette rumeur est vraie ou pas? On le saura très prochainement en juillet les potos. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit like, le petit partage, le petit abonnement si c'est pas déjà fait, le commentaire pour essayer de gagner 10 balles dans l'espace des commentaires, et surtout, n'oublie pas, garde la pêche mon frère, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool Mec, et ciao, peace. Yummy, 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 yummy